Bonjour les amis! Voyons aujourd'hui comment dire bonjour et au revoir en anglais. Pour dire bonjour, tu dois dire hello. Répète après moi. Hello. Encore une fois. Hello. Oui, très bien. À présent, voyons comment dire au revoir. Goodbye. Goodbye. D'y voir avec moi? Alors, très bien. Goodbye. Très, très bien. Bien. Goodbye. Bonjour les amis. Sais-tu parler anglais? Non, pas très bien. Alors, voyons comment dire bonjour et se présenter en anglais. Hello! Hello, Marine! How are you? I'm fine, thank you! Goodbye! Pour dire bonjour, tu dois dire hello! Ouais, très bien. Si tu connais la personne, tu peux dire hello, suivi de son prénom. Comme par exemple, hello, Marine. Comment tu t'appelles? Tu dis Sophie. Ok. Hello, Sophie. Oui, répète. Hello. Très bien. Tu peux également te présenter. Ici, tu utilises I am ou encore I'm, suivi de ton prénom. Comme par exemple, I'm Syllab. Ouais. Répète voir avec ton prénom. Sophie, t'es là? Ouais. Très bien. Bon. Eh bien, à présent, je dois y aller. Au revoir et à très bientôt. Goodbye. Pom 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 pom. Hello, I'm Syllab. And you, what's your name? Nicolas. Ok. Can you spell it? Non, tu sais pas. Spell it, c'est pour prononcer les lettres ou épeler les lettres. Mais voyons cela avec l'alphabet. Tu es prêt? La première lettre. E. Répète après moi. E. B. B. C. C. D. D. Très bien. E. E. F. F. G. G. H. H. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X.
Why? Et pour finir, Z. Très bien, very well. Tu peux épeler toutes les lettres de l'alphabet pour, bien sûr, épeler ton prénom. Bien, il est temps pour moi de partir. Goodbye et see you soon. Bonjour les amis. Hello. Nous avons vu dans le premier cours comment dire bonjour et au revoir. Hello et goodbye. Dans le deuxième cours, nous avons vu comment se présenter. I am syllabe. Voyons aujourd'hui les couleurs. Colors. Par exemple, le bleu se dit blue. L'orange, orange. Le rouge, red. Le noir, black. Le vert, green. Et enfin le blanc, white. Voyons ensemble. Répète après moi. Pour le bleu, blue. Très bien. L'orange, orange. Le rouge, red. Le noir, black. Le vert, green. Et enfin, le blanc, white. Oui, très très bien. Goodbye. Pop, 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 pom, pom, pom. Pop, 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 pom, pom, pom. Hello, I'm syllabe. Nous avons vu dans les précédents cours comment dire bonjour, hello, au revoir, goodbye, se présenter, I am, ou encore les couleurs, blue, orange, red, black, green, and white. Voyons aujourd'hui les chiffres de 1 à 5. 1, déjà, 1. Répète après moi, 1. Good. Voyons le chiffre 2. 2. Répète après moi. 2. Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Voyons après le chiffre 3. 3. Répète. 3. Oui, très bien. Après, nous avons le chiffre 4. 4. Répète. 4. Oui, good. Et pour finir, le chiffre 5. 5. Oui, répète après moi. 5. Good. Tu es très bon, très fort. Bien, je vais prendre un chiffre au hasard et tu vas essayer de deviner le nombre en anglais. Alors, 3. Oui, tu dis 3. Good. Oui, en effet, tu es très bon. Oui. Allez, pour finir, le 5. Tu dis 5. Ouais, super. Allez, au revoir. Goodbye. Wop-a-lop-pom-pom-pom-pom. Pom-pom-pom-pom-pom-pom. Hello, I'm syllabe. Nous avons vu dans les précédents cours comment se présenter I'm syllabe. Ainsi que les 5 premiers chiffres, à savoir 1, 2, 3, 4 et 5. Voyons aujourd'hui comment répondre à la question « Quel âge as-tu ?» How old are you ? Répète après moi. How old are you ? Encore une fois. How old are you? Bien. Voyons les chiffres après le 5 jusqu'à 10. 6 pour le chiffre 6. 7 pour le chiffre 7. 8 pour le chiffre 8. 9 pour le chiffre 9. Et enfin 10
pour le chiffre 10. 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire les chiffres de 1 à 10. Répète après moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passons à quelques questions à présent. Alors, quel âge as-tu? Bien. How old are you? Oh là là, qu'est-ce que tu dis? Parlez pas tous en même temps. Alors, oui, toi. 6, ok, donc tu as 6 ans. Et toi? 5. Oh, 5 ans. Oh, dis donc, t'es grand, hein? Oh là, 8. C'est qui a dit 8? Ah, oui, 8. 8 ans. Wow, tu as déjà 8 ans? Super. Bien, il est temps pour moi de prendre un petit lait miel. Je vais prendre congé. Goodbye. Wop-a-lop-pom-pom-pom-pom. Wop-a-lop-pom-pom-pom-pom. Hello, kids. My name is Sylab. Aujourd'hui, voyons comment poser et répondre à une question par oui ou par non. Nous avons vu dans les précédents cours comment dire bonjour, hello, et au revoir, goodbye. Nous avons également vu les couleurs, avec le jaune, yellow, le vert, green, le bleu, blue, le rouge, red, et enfin pink, le rose pour les filles. Ah oui, bonjour les filles, hello girls. Bien, soyons sérieux. Et nous avons vu également les nombres avec 1, 2, 3, 4, 5. Voyons à présent le cours. En anglais, pour dire oui, tu dois dire yes. Répète après moi, yes. Et pour dire non, tu dois dire no. Répète après moi, no. Good. Bien. Alors, à présent, pour poser une question avec la seule réponse oui ou non, tu dois utiliser les mots suivants. Is it? Suivi du mot. Comme par exemple, pour savoir si c'est rouge, tu demandes Is it red? Et là, on répond yes ou no. Qu'en penses-tu? Yes. Good. Veux-tu jouer avec moi? Avec les couleurs et puis les chiffres? Ok, alors, are you ready? Tu es prêt? Good! Alors, let's go! Is it 3? Yes. Is it red? No. Is it yellow? Yes. Is it 2? Yes. Is it blue? No. Is it 1? Yes. Is it 5? Yes. Is it green? No. Ce cours s'achève. Retrouvez-moi en cliquant sur ma playlist pour d'autres cours d'anglais pour les petits.
partagez et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé. Au revoir, goodbye, see you soon. Hello, I'm Silab. How are you? Ah, tu ne connais pas cette phrase. How are you? Ça veut dire comment ça va? Répète après moi. How are you? Encore une fois. How are you? Que pour demander à une personne comment ça va, il faut lui demander avec la phrase How are you? Si on vous pose la question, vous pouvez répondre par votre humeur. Par exemple, je vais bien. I'm fine. Ou encore, je suis heureux. I'm happy. Ou encore, ouf, cousi cousa. I'm so-so. Enfin, si vous êtes malade, vous pouvez toujours dire I'm ill. Et vous? How are you? Fine. Super. Bien, ah, j'entends mon taxi. Je dois vous quitter. J'ai rendez-vous avec mon docteur. Au revoir. Goodbye. See you soon. Pom 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 pom. Hello kids, my name is Silab. Aujourd'hui, voyons comment exprimer un sentiment. Feeling. Comme par exemple, être content, être triste ou encore être en colère. Avant de commencer le cours, je voudrais faire une petite révision sur les semaines passées. Nous avons vu dans les précédents cours comment ça va, qui se dit en anglais « How are you ?» et où tu réponds selon ton humeur, comme par exemple « Je vais bien ». I'm fine. Répète après moi. I'm fine. Good. Ou encore, je suis content. I'm happy. Répète après moi. I'm happy. Ou encore, je suis malade. Ah oui. I'm ill. Répète après moi. I'm ill. Ou encore, je suis cousi cousa. I'm so-so. Répète après moi. I'm so-so. Oh, oui. Ça va comme si, comme ça. Oui. OK. Voyons le sujet du jour avec les sentiments. Feelings. En anglais, pour dire « je suis content » ou « je suis heureux », tu dois dire « I'm happy ». Répète après moi « I'm happy ». Encore une fois « I'm happy ». Pour dire « je suis triste oh, » oh oui, « je suis triste », tu dois dire « I'm sad ». Yes. Répète après moi. I'm sad. Encore une fois. I'm sad. Et pour dire que tu es en colère, vraiment en colère, tu dois dire I'm angry. Répète après moi. I'm angry. Good. Passons aux exercices interactifs en jouant avec moi au jeu de « je suis content »,« je suis triste » ou encore « je suis fâché » ou « en colère ». Je vais te raconter une histoire et au son de cloche, tu diras comment tu te sens. « Je suis content »,« I'm happy » ou « je suis triste »,«
I'm sad. Ou encore, je suis en colère. I'm hungry. OK? Ready? Go! Pom 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 pom. Aujourd'hui, tu es invité à un anniversaire. I'm happy. Mais tu ne trouves pas ta belle chemise. I'm sad. Ni le joli cadeau que tu veux offrir. I'm sad. Après avoir cherché partout, tu retrouves ta chemise et le cadeau. I'm happy. Pour aller à l'anniversaire, tu dois prendre le bus. Mais il n'arrive pas. I'm hungry. Après 15 minutes, le bus arrive. I'm happy. Mais il n'y a plus de place pour s'asseoir. I'm sad. 10 minutes plus tard, tu arrives pour l'anniversaire. I'm happy. Hello, kids. My name is Syllab. Aujourd'hui, voyons le corps humain et le visage. Body and face. Mais avant cela, faisons un petit point de révision. Pour dire un chapeau, tu dois dire a hat. Répète après moi. A hat. Et pour dire deux chapeaux, tu dois dire two hats, en insistant sur le S à la fin du mot hat, pour former le pluriel. Two hats. Répète après moi. Two hats. Good. À présent, voyons le sujet du cours sur le corps humain et le visage. Body and face. En anglais, pour dire un nez, tu dois dire a nose. Répète après moi. A nose. Pour dire une bouche, tu dois dire a mouth. Répète après moi. A mouth. Pour dire une oreille, tu dois dire an ear. Répète après moi. An ear. À présent, pour dire un bras, tu dois dire an arm. Répète après moi. An arm. Et pour dire une jambe, tu dois dire a leg. Répète après moi. A leg. Et enfin, le pied, un pied, tu dois dire a foot, comme le football. Ouais, répète après moi. A foot. Good. Et enfin, pour dire une main, tu dois dire a hand. Répète après moi. A hand. Bien.
voyant une petite notion sur le pluriel avec deux mains. Two hands, avec un S à la fin du mot hand. Two hands. Very well. Passons à présent au jeu interactif pour voir si tu as bien compris tous les mots. Alors, je te montre une partie du corps ou du visage et tu réponds en anglais le mot de cette partie. Tu as bien compris? Ok, let's go. Alors, what is it? It's a nose. What is it? It's an arm. What is it? It's a foot. What is it? It's a mouth. What is it? An ear. And what is it? It's a leg. Good. Hello, kids. My name is Célab. Aujourd'hui, voyons ensemble les animaux. Animals. Mais auparavant, je te propose un petit rappel. Tu es prêt? Alors, let's go! Si tu ne connais pas le nom d'un objet ou d'une chose en anglais, tu peux utiliser les mots suivants. What is it? Répète après moi. What is it? Encore une fois. What is it? Et tu peux rajouter please en montrant l'objet. What is it, please? À toi. What is it, please? Good. Après quoi, la personne te dira avec les mots it is, suivi du nom de la chose en anglais. Exemple. What is it? Et le monsieur va te répondre, it's her hat. Répète après moi, it's her hat. Good. Bum, 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 bum. Je vous propose de voir dans ce cours le nom des animaux en anglais. Tu es d'accord? Animals. Alors, c'est parti. Pour dire un chat, tu dois dire a cat. Répète après moi. A cat. Oui, tu le vois le chat? Miaou. Ok. Pour dire un chien, tu dois dire en anglais a dog. Répète après moi. A dog. Et pour dire un oiseau, tu dis a bird. Répète après moi. A bird. Good. Pour dire une souris en anglais, tu dois dire a mouse. Répète après moi. A mouse. Qu'est-ce qui reste? Ah oui. Le poisson en anglais se dit a fish. Répète après moi. A fish. Bien. Il reste le cochon. Eh ouais, le cochon. En anglais, ça dit a pig. Oui, qu'est-ce que tu dis? Papa pig. Tu regardes trop la télévision, toi. Bien. Et puis, le cheval. Oh, il est beau, le cheval. N'est-ce pas? Alors, cheval, ça dit a horse. Répète après moi. A horse. Good.
Il nous reste le lapin. Que l'on dit en anglais, a rabbit. Répète après moi, a rabbit. Oui, très bien. Pour vérifier que tu as bien compris tous les noms des animaux, animals, je te propose un petit jeu. Tu veux? Oui, ok, alors let's go. Je vais te montrer des animaux, ici, et tu vas me dire le nom de l'animal. D'accord? Ok, alors, oui. What is it? It's a rabbit. What is it? It's a fish. What is it? Yes, that's a cat. Mm-hmm, good. What is it? A bird. Good. What is it? What did you say? A dog. Good. A dog. What is it? Yes. A mouse. That's a mouse. Good. Oh, what is it? Yes. It's a pig. Hey, I remember. Papa Pig. Good. Bum 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 bum. Hello, kids. My name is Syllab. Aujourd'hui, voyons les vêtements. Clothes. Mais auparavant, voyons une petite révision. Nous avons vu que pour dire un chapeau, tu dois dire a hat. Et pour dire deux chapeaux, tu dois dire two hats. Avec un S après hat. Two hats. Pour dire mon chapeau, tu dois dire my hat. Répète après moi. My hat. Good. Et pour dire c'est mon chapeau, tu dois dire it's my hat. Répète après moi. It's my hat. Enfin, pour dire ce n'est pas mon chapeau, tu dois dire it's not my hat. Répète après moi. It's not my hat. Encore une fois. It's not my hat. Good. À présent, voyons la leçon du jour. Les vêtements. Clothes. Répète après moi. Clothes. Good. En anglais, pour dire une robe, tu dois dire a dress. Répète après moi. A dress. Pour dire une chemise, tu dois dire a shirt. Répète après moi. A shirt. Pour dire un t-shirt. Ça, c'est facile. Tu répètes, a t-shirt. Répète après moi, a t-shirt. Voyons, pour dire un short. Oui, là, c'est facile aussi, mais il y a un petit s à la fin. A short. Répète après moi, a short. Good. Voyons à présent le pluriel avec certains mots comme les chaussures. Là, tu dois dire
Shoes. Répète après moi. Shoes. Good. Et les chaussettes. Socks. Répète après moi. Socks. Very good. Bien. Après cette leçon, veux-tu jouer avec moi? Oui. Alors très bien. Je te pose une question en anglais et tu y réponds en anglais. Comme par exemple, voyons, pour cette robe. Je te demande, what is it? Et tu me réponds, it is my dress. Ou alors, it is not my dress. Yes. Facile. Easy, n'est-ce pas? Alors, tu es prêt? Let's go! What is it? It's my shirt. Ou, it's not my shirt. What is it? It's my socks. Ou, it's not my socks. What is it? It's my t-shirt. Or it's not my t-shirt. Pum 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 pum. Ce cours s'achève. Retrouvez-moi en cliquant sur ma playlist pour d'autres cours d'anglais pour les petits. Partagez et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé. Au revoir, goodbye, see you soon. Whip-a-da-da-pum-pum-pum-pum.